Bonjour. Pourquoi confier son bien à une agence? Première chose, on va gagner du temps. Quand on a un bien, ça va encore. Quand on en a plusieurs, on passe ses week-ends, on passe ses week-ends à faire des entrées, des sorties, des états des lieux. Donc ils vont gérer parfaitement tout ce qui est mise en ligne, photos professionnelles, visite 360, ce qu'un particulier peut pas faire. Gestion d'un portefeuille, ils ont des locataires qui les appellent pour dire bah, « moi je recherche tel type de bien », ce qui permet de dégainer assez rapidement et de faire le lien entre l'offre et la demande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il y a également l'expérience des gestionnaires qui nous aiguillent sur un loyer qui va être cohérent et louable rapidement au meilleur prix. En cas de problème également, si vous avez une fuite ou quelque chose, c'est l'agence qui va gérer, l'agence qui va missionner quelqu'un. Donc en fait, c'est un gros gain de temps. Et également, il n'y a pas que le temps qui compte, il y a également la tranquillité d'esprit. Moi, je suis passé par une agence également pour être sûr d'être dans le cadre de la loi, avoir tous les éléments constitutifs d'un bail, d'avoir des quittances de loyer tous les mois pour pouvoir redonner à ses locataires, d'avoir un suivi global, pareil pour la comptabilité en fin d'année, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet également de toujours rester dans le cadre de la législation avec des gens qui sont là pour nous rappeler à l'ordre s'il manque quelque chose ou quelque chose n'est pas fait. Le gestionnaire, il est également présent pour sécuriser le locataire et sécuriser le propriétaire et être sûr que vraiment le logement soit aux normes et que la législation soit respectée. Donc le gros avantage, c'est qu'on a un gestionnaire dédié. On a affaire toujours à une seule et même personne. Donc on a son numéro de téléphone, son mail, donc on peut interagir avec, lui poser des questions. Elle nous tient au courant en même temps, en temps réel, des choses qui peuvent se passer. Bah, il y a une fuite ou le locataire a donné son préavis, ou voilà, toutes ces choses-là. Et on a également un extranet qui nous permet de récupérer tous les documents liés à notre location. Donc les baux, les quittances de loyer, voilà. Tout est disponible, on n'a pas forcément besoin de demander à son conseiller. Pour tout ce qui va être location, on va avoir une veille juridique pour les propriétaires bailleurs. Vous avez également un conseiller en gestion de patrimoine si besoin, qui peut être là pour faire des petits réglages et permettre de développer son patrimoine encore plus et d'avancer, ou de payer moins d'impôts par exemple. Et vous avez également la garantie des loyers impayés et encore d'autres services. Et pendant la crise qu'on a connue, la crise du Covid, ils ont mis en place le click and collect, ce qui permettait aux propriétaires de pouvoir louer son bien. C'est-à-dire que le locataire avait accès à une visite virtuelle 360, un bail dématérialisé, un état des lieux dématérialisé. Donc ce qui permettait de pouvoir continuer à louer malgré la crise sanitaire. Moi j'ai choisi Century 21 aujourd'hui parce que je pense que c'est les meilleurs sur la place du marché pour plusieurs raisons. L'ancienneté du réseau, le nombre de collaborateurs, la force de frappe commerciale et de visibilité. Moi avec les quelques appartements que j'avais pas le temps de me tromper, donc je voulais vraiment tout de suite choisir des gens performants. Merci, à bientôt.